c'est le Paris, c'est Didier Bourdon et Campan dans le Paris. On a Niagnon, c'est Bourdon, et Bakissako, c'est Campan. C'est ridicule tout ceci. Tout ceci est absolument ridicule. On verra sur le terrain, il y a beaucoup de joueurs qu'on recrute qui sont hors de forme, qui étaient sans contrat. Thomas, toi, ton avis sur Mangala, du coup ? Bah, vous êtes gentil, je trouve, avec lui. Bon, certes, il a un CV qui inspire le respect. Je ne doute pas qu'il va pouvoir un peu apporter son expérience, notamment aux plus jeunes joueurs dans l'effectif. Mais attendez, vous avez regardé effectivement son parcours récent, comme l'a souligné Franck. Mangala, sa dernière apparition officielle sur un terrain, c'était il y a 6 mois. Et son dernier match joué dans sa complétude, c'était il y a 1 an. On a un gars qui, même si visiblement il est fit, il s'est plutôt bien entretenu, il n'est pas apte au football de haut niveau. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? On entend que le staff stéphanois ne veut ne courir aucun risque avec lui et qu'il va être lancé face à Bergerac. Mais je crois que nos dirigeants ont oublié qu'il y avait un état d'urgence à la SS et que depuis le 1er janvier, il aurait fallu se mettre sérieusement au travail, qu'on devrait déjà avoir tout notre mercato finalisé et bouclé avec des joueurs opérationnels qui devraient jouer match après match pour nous sauver. Je veux dire que Mangala nous permette de battre, de nous qualifier Bergerac, mais j'en ai rien à foutre. Là, ce qui compte, c'est les prochains matchs, maintenant, où il ne sera pas là, lui et d'autres, ils ne sont pas opérationnels. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre que ces gars viennent maintenant à la SS, qu'ils soient opérationnels au mois de février ? Si ça se trouve, au mois de février, on va se prendre des tannées face à Lyon, Angers et Montpellier, on sera en Ligue 2. Donc Mangala, Tchoub, ou Bakissako, ou Niagnon, c'est un gag. C'est un gag absolu. Là, vous faisiez tout à l'heure des références à des centres de Thalasso. C'est ça. C'est le Paris. C'est Didier Bourdon et Campan dans le Paris. On a Niagnon, c'est Bourdon. Et Bakissako, c'est Campan. C'est ridicule tout ceci. Tout ceci est absolument ridicule.